Bien, bonjour. Donc, on va continuer le cours mécanique des solides. Là, sur l'écran, je pense que vous voyez, je partage le dernier cours. Alors, le dernier cours, c'est ce chapitre-là, c'est géométrie des masses. Donc, on a défini ce que c'est qu'un centre d'inertie. Ça a été fait, je crois, le premier ou le deuxième cours. J'ai eu un TD sur sa notion de centre d'inertie. Donc, dans ce chapitre, la notion importante, c'est la notion de moment d'inertie. Et on va voir, effectivement, on a déjà fait un calcul pour des géométries simples. Une boule, un cylindre plein, un cylindre creux, une coquille. Et je vous laisse faire une tige. C'est facile, donc de la même façon que j'ai fait les quatre autres exemples. C'est très important par la suite, dans ce cours, mais même après, ces notions de force macroscopique de contact, et surtout ce coefficient de frottement, dont nous avons parlé le dernier cours. Donc, on a défini ce que c'est qu'un moment d'inertie par rapport à un axe, et nous avons aussi énoncé le théorème du Gans qui va être utile par la suite dans les TD, dans tous les problèmes mécaniques que vous allez voir par la suite. Donc, le centre d'inertie, ben, on en a parlé, je crois que ce schéma-là, vous l'avez vu plusieurs fois, la composition des vitesses lorsqu'il s'agit d'un référentiel barycentrique. La définition du moment d'inertie, ben, c'est tout simplement l'intégrale de la distance au carré fois d de m, c'est ce qu'on a fait le dernier cours. Pour un solide quelconque, on intègre l'intégrale et surtout le solide, donc c'est l'intégrale, surtout le volume du solide. Et plutôt que de faire un calcul comme celui que vous voyez sur ce slide qui est là, j'ai préféré partir d'un élément de volume. Et qu'est-ce qu'un dm? Ben, c'est un élément de volume dv fois la densité volumique ou la masse volumique. Donc je vous ai rappelé ce qu'on a fait en première année, les coordonnées cylindriques, un élément de. Lorsqu'il s'agit d'un cylindre, on va prendre un élément de volume cylindrique, D de V, exprimé dans les coordonnées cylindriques, ce que vous avez ici. Et j'ai fait avec vous ce petit calcul-là que nous avons commenté ensemble le dernier cours. Donc, on arrive, si j'applique la définition du moment d'inertie, ben, on trouve, après calcul simple que vous voyez ici, une intégrale triple que vous allez faire maintenant, c'est facile, on trouve que pour un cylindre plein, un demi de m r carré. Alors, au passage, ce cours-là, il est sur le site de l'école MLS, donc le cours 5, il est déjà sur, vous pouvez le télécharger. Et les deux cours aussi, le 6 et le 7, je les ai changés, donc les anciens, ils ont été enlevés, et donc il faut vraiment se baser sur les nouveaux fichiers qui sont sur MLS. Donc, je vous disais, bah, le calcul du moment d'inertie, bah, voilà, on le calcule, on sait comment faire ce calcul-là. Voilà, comme on l'a dit dans le titre du chapitre géométrie des masses, vous voyez bien qu'il dépend de la distance par rapport à un axe auquel on calcule son moment d'inertie. Et donc, ça dépend de la répartition des masses. Et donc, ce moment d'inertie, bah, dépend de la géométrie de la répartition des masses. Donc, voilà le lien avec le titre du chapitre. Juste une minute, je reviens. Donc voilà, donc je vous disais donc que on calcule ce moment d'inertie qui va prendre en compte la répartition des masses. Et c'est l'objectif. Un premier calcul facile, un deuxième calcul cylindre creux qu'on a fait ensemble. Et donc toutes ces valeurs-là, on va en avoir besoin. Je l'ai fait ici. Après, je ne vais pas les refaire, je prends juste la valeur. D'accord? Parce que tous ces objets-là, on va les étudier par la suite dans ce cours. C'est pour ça que j'ai modifié les cours. Et donc, je vais avoir besoin des moments d'inertie du cylindre, de la sphère pleine, c'est une faute de la boule, on va dire, ou de la bille, de la coquille aussi, et ainsi de suite. Alors, le théorème du Gans, c'est que lorsque je fais un calcul par rapport à un axe,
qui passe par un point O, si je prends un autre axe parallèle, je n'ai qu'à ajouter ce que je vous ai déjà dit, la masse totale fois la distance au carré entre les deux axes. C'est ça que tu remets. Donc, si je calcule par rapport à delta G qui passe par le centre de masse G, par exemple, ce qui est facile à faire souvent, on fait par rapport au centre de masse, et un axe qui passe par le centre de masse, et après, pour n'importe quel axe parallèle, je rajoute tout simplement la masse totale fois la distance A entre les deux droites parallèles. Donc ça, c'est un théorème qu'il faut appliquer. Et l'application, vous l'avez ici. Nous, ce qu'on a fait, c'est par rapport à ces axes-là, pour le cylindre creux, j'appelle ici l'anneau, on a trouvé cette valeur-là. On a fait la coquille, le cylindre plein, la sphère, et la tige. C'est une tige comme ça. Vous voyez que j'ai un deuxième de M fois L, 2 au carré. L, c'est la longueur de la tige. Alors ça, je veux attirer votre attention sur ce résultat-là, qui est facile à faire. Bon, vous pouvez le faire pour vous exercer, pour voir si vous avez bien... Ce que j'ai fait le plus compliqué, ça c'est facile, il suffit de mettre un dx, une densité massique linéique, et après vous allez trouver ça. Et donc pour une tige, le moment d'inertie c'est 1 deuxième de la masse fois L au carré. Maintenant si je garde la même masse et je la répartis juste sur une distance plus petite, imaginons par exemple que j'ai la masse M, au lieu de se voir sur L, mais sur L sur 2, si j'ai un L sur 2, donc j'aurai L carré sur 4. En fait, si je mets la masse sur une tige deux fois plus petite, plus moins longue, si je divise L par L sur 2, si la longueur c'est L sur 2 et pas L, le moment d'inertie va être divisé par 4. Donc, en fait, si je raccourcis la tige en gardant la même masse, j'insiste là-dessus parce que on va expliquer l'augmentation de la vitesse de la patineuse dont je vous ai parlé dans le cours. Donc, une tige, si je divise la longueur par 2, le moment d'inertie I va être divisé par 4. Si je divise par 4, il va être divisé par 16. Donc, en fait, c'est le carré de la distance, la longueur de la tige. Donc, de garder ça en tête. Et alors, théorème du Gans, maintenant que j'ai fait le calcul par rapport à des axes qui sont simples, dont le calcul est simple à faire, si maintenant j'ai un autre axe qui est parallèle à ces axes-là, il suffit que je rajoute la masse fois la distance entre les deux axes. C'est ce qu'on a fait ici, ce que je vous ai montré derrière. D'accord. Bien, alors, il y a une notion sur laquelle j'ai insisté. Si vous avez des questions, je vous réponds. Alors, c'est force de frottement, surtout ce que vous allez faire par la suite. Et là, nous, puisqu'on est dans la mécanique du solide, je m'intéresse plus au frottement solide-solide. Et donc, effectivement, je vous ai parlé, lorsque vous poussez une armoire ou un piano, ou peu importe, un objet très lourd, vous poussez, et à un moment, il y a rupture d'équilibre. Vous arrivez à le déplacer. C'est lorsque j'ai rupture d'équilibre, ou juste avant la rupture, j'exerce une force qui est exactement opposée à... Là, j'exerce la force dans ce sens-là, cette fois-ci, par rapport à ce schéma-là, exactement opposé à la force de frottement tangentielle. D'accord ? Et après, ça va glisser. Donc, avant l'équilibre, la force maximale qui va rompre l'équilibre, cette force-là, RT, si je la divise par la RN, la normale à la surface, je trouve ce qu'on appelle le coefficient de frottement, le fameux mu. Mu est égal à RT sur RN. RT, c'est... c'est la force qui va correspondre à la limite de la rupture d'équilibre. C'est-à-dire, en gros, pour déplacer votre grande masse ici. Alors, mu, alors je vous ai expliqué après que dans la pratique, vous avez tous fait l'expérience, je reviens encore, c'est que lorsque vous poussez une armoire, au début, c'est plus difficile. Une fois qu'elle est en mouvement, vous avez l'impression que c'est plus simple. Effectivement, ce n'est pas qu'une impression, c'est vrai. Donc, il y a un facteur mu. Qui est RT sur RN, lorsque vous allez mettre en mouvement, lorsqu'il est à l'équilibre statique, vous allez fournir une force plus importante pour le mettre en mouvement, pour vaincre le RT qui est là, la composante tangentielle. Et donc, on définit un coefficient de frottement statique, on met un S, lorsqu'on va mettre en mouvement l'objet. Une fois qu'il est en mouvement, le RT, il est inférieur pour le mouvement continu à le RT de départ. Donc, on définit un coefficient de frottement dynamique. Donc, il y a deux coefficients. Et je vous ai dit aussi que pour cette année, pour l'année d'après peut-être, en général, dans les problèmes qu'on va traiter, parce qu'il y a une différence qui n'est pas énorme entre les deux, pour simplifier le problème, on suppose que les deux coefficients sont égaux. Et
Donc, on appelle ça mu. Vous voyez ici, je n'ai pas mis S, N. Mais ce que je viens de vous dire, j'en parle juste après ici, dans ce slide-là. Et j'ai corrigé mu S est supérieur à mu C. Donc ici, là, je reprends l'exercice de l'année dernière, du TD de première année. Sur un plan incliné, vous augmentez l'angle, c'est-à-dire que vous augmentez la force Mg, celle-là, le Mg sinus θ, plus vous inclinez. Et dans ce cas-là, à un moment, ça va glisser, ça veut dire en fait, votre Mg sinus θ va être supérieur à la force frottement, et donc ça va glisser. D'accord. Donc il faut absolument 20, je dirais qu'il faut que la force que vous exercez soit supérieure à la force frottement pour que ça glisse ici. Et donc, le facteur mu, c'est le facteur qui est à la rupture de l'équilibre du rapport de la composante tangentielle sur la composante normale. Et donc, ça dépend des matériaux, c'est ce qu'on a fait ici. Cette force frottement-là dépend des matériaux, des surfaces, acier-acier. Vous avez le mu S, cette fois-ci, on a mis un mu S. Alors, en général, le mu C, le coefficient de frottement dynamique, il est inférieur, mais là, on vous donne le mu S au coup. Je vous donne ici et que vous pouvez trouver aussi dans des livres pour différents autres matériaux. Donc, c'est étudié. Et pour chaque matériau, on définit un facteur de frottement qui va dépendre des surfaces en contact. Voilà pour cet aspect frottement. Bien. Alors, voilà pour le frottement. Et donc, ça, on l'a fait l'année dernière. Cette année, on va faire autre chose, bien sûr. On va faire quelque chose de plus que l'année dernière. C'est-à-dire, en fait, cette année, on va considérer ce qu'on n'a pas fait l'année dernière. Un solide, et un solide, il peut glisser comme ici, mais il peut aussi rouler. Il y a un roulement. Roulement sans glissement. C'est ce qu'on va faire ensemble cette année. Bien. Voilà pour... Alors ça, je l'ai laissé. Bon, ça peut être utile dans des problèmes l'année prochaine. Cette année, on ne parlera pas de ça. On ne fera pas ça parce que ce n'est pas... Ça, c'est pas dans ce module. Mais je l'ai laissé comme ça. Donc, alors, là où je veux insister, on l'a fait, mais j'insiste encore, c'est que lorsqu'on a un glissement sans frottement, on a dit ensemble que, je vous ai montré par une expérience simple, que lorsque j'ai roulement sans glissement, bah, la vitesse du point de contact égale à zéro. Je ne sais pas, je l'ai marqué, le point I, point de contact ici, la vitesse V de I est nulle. D'accord. Et dans ce cas-là, la puissance, bah, c'est le produit scalaire de la force, le frottement petit f, j'ai oublié de le mettre positif, c'est cette flèche qui est là, c'est la tangentielle. Scalaire V est nul, donc la puissance de la force, le frottement petit f qui est là, alors au moins qu'elle apparaît après, mais elle n'apparaît pas. Petit f, c'est ça, hein, c'est la tangentielle, et ça, c'est Rn. Et R, c'est la résultante des deux forces. C'est la force de frottement qui est composée de composantes tangentielles et une composante normale. Donc la normale, bah, c'est normal. La normale, elle ne travaille pas parce qu'elle est perpendiculaire au déplacement. Ça, je n'en parle même pas. Par contre, pour la composante tangentielle, on propose au départ que si j'ai un déplacement, F fois V peut ne pas être nul. Or, elle est nulle. Pourquoi? Pas à cause de ce que j'ai mis ici en vert, parce que la vitesse du point I, lorsqu'il y a roulement sans glissement, on l'a déjà montré, j'y reviendrai encore. C'est le cours avant celui-là. La vitesse est nulle. Et dans ce cas, si je fais produit scalaire d'une vitesse fois la force, c'est tout ce qu'on appelle la puissance. La force fois le produit scalaire d'une vitesse égale 0. Alors, qu'est-ce que la puissance? La puissance, c'est le travail sur temps. Et donc, le travail de la force de frottement lorsqu'il y a roulement sans glissement égale à 0. Alors, ce n'est pas évident, ça. Ce n'est pas intuitif. Parce que vous avez une force et vous avez quand même un travail qui est nul alors qu'il est parallèle au déplacement. Et oui, pourquoi? Parce que la vitesse ici est nulle. Donc, si la force de frottement, son travail est nul, dans ce cas-là, rappelez-vous l'année dernière, on a dit, lorsqu'il y a des forces de frottement, il n'y a pas conservation de l'énergie mécanique. Mais puisque le travail de la force de frottement est égal à zéro, et en fait, on ne perd pas d'énergie dans cette opération-là, dans ce cas-là, on garde le principe de conservation de l'énergie mécanique, c'est ce qu'on va voir plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Ben, il faut retenir que lors d'un roulement sans glissement, ben, la force frottement, le travail des forces frottement égale à zéro. C'est ça qu'il faut retenir. Et nul, c'est ce que j'ai marqué ici en rouge. Voilà, donc ce chapitre-là, il part encore. Alors maintenant, puisqu'on fait un autre module qui n'est pas celui de l'année dernière, lorsqu'on, je vous ai dit qu'on va étudier ce qu'on a fait, on considère que tous les objets comme des points matériels. Et donc, l'expérience de Galilée,
lorsqu'il est à Shelby, il y a un film, il y a un lien pour aller voir un film qui a été fait sur cette expérience-là. Galilée l'a montré effectivement, et il a raison, que les distances sont en carré du temps, c'est-à-dire en fait, on a une accélération qui est la projection de G sur l'axe, cet axe-là, c'est G sinus alpha. Et en une seconde, on a un mètre, en deux secondes, on a quatre mètres parcourus, en trois secondes, neuf, et c'est là la découverte. Et donc, la distance parcourue, c'est un demi de G sinus alpha, c'est la projection de G sur cet axe-là, fois T au carré. Mais cette relation que nous avons fait l'année dernière, cette accélération qui est selon cet axe-là, il a été établi en considérant votre bille comme un point matériel. Maintenant, alors si, c'est ce qu'on va faire cette année ensemble en cours. Maintenant, supposons que c'est n'est pas un point matériel. C'est la question que je pose ici. Est-ce que l'accélération de la bille serait toujours G sinus alpha? La réponse est bien sûr non. C'est ce qu'on va voir plus tard. Donc, voyez-vous, là, quand on fait l'approximation, le problème est traité correctement mathématiquement et on trouve que le déplacement, c'est. Il se fait avec une accélération G sinus alpha. On va montrer que ce n'est pas le cas. Mais là où il avait raison Galilée, c'est que peu importe, je peux changer là, c'est ce qu'on va faire, ce n'est pas exactement cette valeur-là, mais il est quand même en T carré. Mais l'accélération, ce n'est pas G sinus alpha. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont écrit, mais pourquoi Galilée n'a pas pu mesurer ça? Si vous regardez le film à l'époque, pour se rendre compte que ce n'est pas ça du tout, il faut bien mesurer les distances et surtout le temps. Il faut une mesure du temps très précise pour voir que l'accélération que vous avez, si vous faites l'expérience, vous n'allez pas trouver G sinus alpha, vous trouvez autre chose qu'on va d'abord trouver par le calcul et qu'on, si on avait le temps, on aurait pu faire le TP et montrer effectivement qu'il faut tenir compte du fait que la bille, ce n'est pas un point matériel. Donc, voyez-vous comment on procède. Dans un premier temps, on n'a pas suffisamment d'outils mathématiques, donc on va vers plus simple. Pour étudier un mouvement, on considère la bille comme un point matériel, surtout qu'il est sphérique, donc on pense que c'est bon, mais on va voir cette année, non, parce qu'il y a un volume, et donc ce n'est pas du tout ça, c'est autre chose. Donc, en fonction de l'avancement, je dirais, des outils mathématiques et des connaissances, on peut corriger des choses qu'on a supposées au départ comme point exact. Voilà ce que je voulais dire pour ça, pour ce chapitre-là, et donc... prochaine étape, c'est montrer, entre autres, il n'y a pas que ça, mais montrer que l'accélération, ce n'est pas ça, et si ce n'est pas ça, pourquoi est-ce qu'on va ensemble. Bien, voilà le chapitre, il est fini, ce chapitre-là. Donc, on commence l'autre, toujours dans le même esprit, de ce qu'on... c'est-à-dire, dans le même esprit, en fait, on a fini ce chapitre-là. Sur la définition du monde aussi, ce que je vais faire après, c'est ce qui est noté ici, on va voir toutes ces notions-là qu'on va appliquer au solide, mais je vais quand même, pourquoi aller changer les cours, le 6 et le 7, là on est le cours 6, c'est ça le cours 7, c'est pour effectivement faire quelques exemples, pour ne pas rester dans les aspects généraux, mais pour des exemples pratiques. Bien, donc là je vais partager un autre fichier qui est celui-là. Celui-là, vous l'avez aussi, il a été modifié. Donc là, on va commencer le chapitre 6, cinétique. Continuer le moment et le moment cinétique. Alors, cette notion de moment cinétique, nous l'avons vu l'année dernière pour le point matériel, on va le voir pour le solide. Et c'est le TD numéro 6. Le théorème du moment cinétique, c'est l'objet du TD numéro 6 que vous avez fait. Après, on va définir les torseurs cinétiques, dynamiques et torseurs des forces extérieures. On verra par la suite. Voilà. Donc, le chapitre 6, cinétique, là, il n'y a pas de choses nouvelles, pas de nouvelles notions. Tout ce que nous allons faire, c'est tout simplement l'appliquer au solide, ce que nous avons appris l'année dernière pour les points matériels. Bien, toujours cette patineuse là, et qui est en rotation et
Tout à l'heure, je vous parlais de la tige. Donc, les bras, on peut s'imaginer, c'est comme une tige. Lorsqu'ils tendent les bras, bah, c'est une tige qui a une longueur L. Lorsqu'il ramasse les bras vers son corps, dans ce cas-là, la longueur de la tige change. Donc, le moment d'inertie change rapidement. Alors, quelle est la conséquence de ça? C'est ce qu'on va voir. Alors, pour voir ça, bah, il faut qu'on rappelle le théorème du moment cinétique. Donc, ça, c'est un slide de l'année dernière que j'ai repris, c'est le cours de l'année dernière. Alors, moment cinétique d'un point matériel, c'est tout simplement par rapport à un point O. Alors, un point matériel, il est situé au point M, point matériel M de masse petit m, et ce point matériel M est lui-même d'une vitesse V, il procède d'une vitesse V. Et dans ce cas-là, le moment cinétique par rapport à O égale à OM vectoriel P. P, c'est tout simplement la quantité de mouvement. Alors ça, donc ça c'est fait l'année dernière, je le rappelle ici. Maintenant, vous avez fait pas mal de calculs vectoriels, donc je ne vais pas commencer à commenter ce produit vectoriel. Donc la définition, c'est ça. Le moment cinétique, on l'a déjà vu aussi, je pense, cette année, par rapport au point O, d'un point matériel situé au point M, c'est OM vectoriel, la quantité de mouvement. Ça, c'est vectoriel, cette croix. Produit vectoriel. Alors, si j'ai plusieurs, là encore, vous voyez, ça devient de plus en plus simple. Maintenant, pour généraliser au solide, bah, au lieu d'avoir un sigma, j'ai une intégrale. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Lorsque, pour un point matériel, bah, c'est cette relation-là, mais si j'en ai plusieurs, bah, je fais la somme sur tous les points matériels. Et donc, le moment par rapport à O de l'ensemble du système formé de N points matériels, bah, c'est la somme de chaque quantité correspond à un seul point matériel. Vous voyez, c'est la sigma de jusqu'à n. L'expression, c'est celle qui est là. Donc, il n'y a rien de compliqué. Ça, c'est un système discret. C'est un système, pour les systèmes continus, bah, si j'ai un solide avec un volume, cette fois-ci, bah, je ne peux pas faire une somme parce que c'est un système continu. Il y a des... Donc, c'est une intégrale. C'est une intégrale sur tout le volume de solide. J'ai repris la même illustration qu'on a déjà vue par ailleurs. Et donc, j'intègre, et dans ce cas-là, le moment cinétique par rapport à un point O, celui-là par exemple, c'est tout simplement, au lieu d'une sommation, d'un sigma, l'intégrale de OM vectoriel, la vitesse du point M du solide. Alors, un point M du solide, bah, je peux le considérer comme un point matériel, donc c'est un élément de volume infinitésimal, et muni d'une masse dm. Donc, en fait, c'est la vitesse du point M qui est là, avec une masse dm qui est autour du point M. Donc, je généralise cette relation-là, et donc la généralisation est là. Et il y a une chose que nous avons déjà définie, c'est qu'en fait, la quantité de mouvement pour un point matériel, je ne sais pas si on en a parlé ou pas, mais je vais en parler ici, si ce n'est pas fait, je crois que c'est fait. C'est mi fois v, bah, pour un point ici, c'est d de m fois v, et au lieu d'un sigma pour les points matériels, bah, je fais une intégrale pour le solide. Ça veut dire en fait la somme des quantités de mouvement, la quantité de mouvement totale pour l'ensemble des points matériels, c'est une somme, sigma de i égale à 1 jusqu'à n. Pour un solide, bah, c'est une intégrale sur tout le solide de la vitesse fois la masse du point matériel, de l'élément de volume très petit ici autour du point 1. Donc on définit. Pour un solide, un système continu, une quantité de mouvement totale qui est l'intégrale sur tout le solide de la vitesse fois d de m, j'intègre sur tout le solide, et on définit un moment cinétique au point O par rapport au point O, ou au n point O du solide comme étant l'intégrale de la même expression qu'on avait pour les points matériels. Donc voilà. Donc, nous, maintenant, ce qui est point matériel, on l'a vu l'année dernière, et maintenant, il va s'intéresser effectivement au solide. Donc, tout ce qu'on a vu ici, je le rappelle, l'année dernière, on le reprend cette année. D'accord? Alors, l'année dernière, ce que nous avons vu, c'est le théorème du moment cinétique. Bon, on va faire la même chose cette année pour le système continu. Donc, je reprends encore ici. La quantité de mouvement total dans notre solide, c'est la même chose que ce que j'ai expliqué là. Le moment cinétique total de notre solide, bah, je l'ai repris ici, je n'ai rien rajouté, je vais juste écrire en grand pour que ce soit clair. Donc, on appelle quantité de mouvement du solide cette quantité qui est là, qui a la même forme à part cette intégrale à la place du sigma.
Et le mot syndic, pareil, c'est la même chose. L'écriture, elle est la même, c'est pas compliqué. C'est on a un point haut et c'est l'intégrale au lieu d'un. Lorsque j'ai plusieurs points matériels, c'est un signe. D'accord? Alors, ce que nous avons fait l'année dernière, on le fait cette année aussi, c'est que cette fois-ci, ça, c'est un vecteur. Le mouvement cinétique est un vecteur, on a un point haut. Donc, c'est, le produit, c'est l'intégrale d'un produit vectoriel, d'un vecteur. Donc, ça donne un vecteur, c'est normal. Alors, on définit aussi le mouvement cinétique par rapport à un axe. Alors, qu'est-ce que le mouvement cinétique? Si j'ai un axe que j'ai fait ici, le vecteur unitaire, c'est U delta, c'est le vecteur unitaire U, c'est l'axe, je l'oriente. Une fois que j'ai un axe, bah, je mets un point O ici, je mets delta. Je calcule le moment cinétique par rapport au point O, ça. Et le moment cinétique par rapport à l'axe, c'est tout simplement le moment cinétique par rapport au point O scalaire le vecteur unitaire de l'axe. D'accord. Voilà. Donc, voilà les trois définitions. La quantité de mouvement, P, bah, c'est la somme, l'intégrale. J'ai failli dire la somme, oui, c'est la somme sur un continu, c'est l'intégrale. La quantité de mouvement par rapport à un point O, un point O, c'est cette quantité-là. Et le moment cinétique, on a un point O, c'est ça. Et le moment cinétique par rapport à un axe, c'est par rapport d'abord à un point de l'axe, scalaire le vecteur unitaire de l'axe, le U. U, c'est unitaire. Donc maintenant, si je reprends cette relation qui est là, et je mets scalaire U, ben c'est ce que j'ai fait ici. D'accord. Voilà les définitions. Ah, maintenant, c'est bien, très bien, ok, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on en fait tout ça, c'est ça comment on va l'appliquer? Quel est le théorème du mouvement cinétique? Connaissons toutes ces choses-là. Alors là, il y a un petit calcul vectoriel qui est simple, mais que vous allez suivre avec moi. En fait, ce calcul vectoriel, je vais y aller, il utilise une relation vectorielle des deux que je vous ai montré dès le départ, qu'on a utilisé. Je vais essayer de la trouver. Le premier cours, je vous ai montré deux relations vectorielles. Je vous dis, on va les utiliser dans ce cours. Et dans ce petit calcul que vous avez sur les yeux, c'est une des deux qu'on va utiliser. Je vais voir si je l'ai ici encore. Ok, donc je ne vais pas revenir au cours, mais je vais juste projeter les relations vectorielles qu'on va utiliser, comme ça vous allez pouvoir les... Voilà, bah c'est celle-là. En fait, le premier cours, je vous ai dit qu'on va utiliser deux relations vectorielles, la relation du double produit vectoriel et la relation produit mixte. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser... relations-là, comment on passe d'un produit vectoriel à un autre lorsqu'il y a un produit scalaire. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Et je vous dis que ça se démontre facilement, il n'y a aucune difficulté, sauf ça prend du temps. Sinon, je peux prendre trois vecteurs quelconques et je montre que l'égalité est vérifiée, que ce soit là ou ici. Donc, je vais utiliser cette relation qui est ici, d'accord, pour développer mon calcul. Est-ce que je vais pouvoir revenir à mon... Est-ce que vous avez le slide sous les yeux? Oui, bah c'est bon. OK. Merci de la réponse. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que j'utilise le calcul, le moment cinétique par rapport à un axe. Donc comme sa définition donnée ici, ben je reprends la même chose. Voilà, et je l'utilise sigma, et sigma
par rapport en un point O vecteur U. Alors, je l'utilise dans un cas particulier, c'est le particulier, c'est un cas qu'on va rencontrer souvent, en fait. C'est lorsqu'on a un solide en rotation autour d'un axe fixe. Donc, en fait, j'ai un solide ici qui tourne autour de l'axe, comme ça. D'accord ? Il tourne autour de cet axe. J'ai un point O. Alors, si je prends un point, alors je ne sais pas pourquoi j'ai changé, c'est le point M ici. La distance entre le point M et l'axe, ben, c'est cette distance qu'on a déjà vue ensemble. Je vais appeler R0 pour cette petite R ici. D'accord ? Donc, le moment cinétique d'un point O, ben, on a dit c'est OM vectoriel VM. Alors là, j'ai mis un A, c'est OA vectoriel VA. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je changerai la prochaine fois. Il n'y a pas de changement. Donc, c'est un point du solide. Alors, j'appelle AOM, mais bon, parfois, il vaut mieux garder les mêmes notations. Donc, la prochaine fois, je changerai. Donc, c'est OA vectoriel VA D2M. Ça veut dire, en fait, c'est la masse très petite du élément de volume D2V autour du point A. Donc, voilà la relation. Alors, par rapport à l'axe delta, ben, il faut que je fasse le produit scalaire avec le vecteur unitaire U, d'accord ? Le vecteur unitaire de cet axe-là. Et donc, voilà, je fais le produit scalaire qui est ici, et donc je le fais aussi sur l'intégrale, parce que U, lui, il est constant, donc je peux le rentrer dans l'intégrale. Alors, je suis en rotation par rapport à cet axe-là. Donc, je définis un vecteur rotation, grand oméga. Alors, dans les livres, je vous ai déjà dit, ou même dans mon cours, parfois, je confonds les choses. Parfois, c'est oméga minuscule, c'est pas majuscule. Mais bon, c'est la même chose. Donc, grand oméga, je tourne autour de oméga. Donc, je tourne dans... C'est ce vecteur-là qui est en violet. Et donc, c'est égal à oméga, ça c'est positif, fois U. Il est souvent U. Je définis ça comme ça, comme j'aurais pu faire autre chose. Alors, on va utiliser la relation de ce qu'on appelle la règle transport pour le torseur cinématique. C'est-à-dire, en fait, nous avons, comme vous le savez, la vitesse au point A, c'est égal à la vitesse au point O, plus AO, vectoriel, vecteur rotation. Donc, c'est la relation Babar. Ça. Alors, effectivement, je l'applique, sauf qu'au point O, ici, c'est un point de l'axe. Et moi, je tourne autour de l'axe. Donc, au point O, la vitesse est nulle. J'ai pas de... Donc, ce qui me reste, c'est la vitesse au point A, c'est égal à AO, vectoriel, rotation. Alors, si j'inverse, si je passe ce produit vectoriel-là, je peux l'écrire égal à oméga vectoriel moins oméga vectoriel AO et moins AO, c'est OA. Donc, je l'écris comme ça. Et je remplace le vecteur rotation oméga, grand oméga, par son expression qui est égale à oméga fois U. Donc, en fait, la vitesse au point A, c'est égal à la vitesse angulaire, oméga, fois, qui multiplie le produit vectoriel, donc c'est un vecteur, forcément, une vitesse c'est un vecteur, U, le vecteur unitaire de l'axe autour duquel je fais la rotation. Donc, je suppose qu'il n'y a qu'une rotation, c'est ici, c'est mon exemple. Mon exemple, c'est un solide en rotation autour d'un axe fixe. D'accord ? Donc, elle tourne autour de l'axe. Et donc, j'ai U vectoriel OA. D'accord ? Et c'est là que je vais appliquer ma relation vectorielle, ce dont je vous parlais. J'espère que je ne vais pas encore. Celle-là, d'accord, je vais appliquer celle-là. Bien, donc si j'applique j'ai une intégrale, en fait, ce que je cherche à calculer, c'est le moment cinétique par rapport à un axe, et donc j'ai un vecteur U scalaire, un produit vectoriel, d'accord ? Donc, ce que je vous raconte, c'est, je reprends encore mon... Donc, en fait, on est dans une situation comme ça, c'est un vecteur scalaire, un produit vectoriel. Donc, en fait, je peux utiliser cette expression-là pour trouver la chose suivante. Donc, si j'applique ce que je viens de vous dire par rapport à cette relation-là, c'est-à-dire en fait ce qui est sous l'intégrale ici, je vais l'écrire autrement, ben, ça, c'est la même chose, appliquée à la relation que je viens de vous dire, c'est V vectoriel U, V scalaire U vectoriel OA. Ça égale à ça, suivant la relation mathématique que je viens de vous dire. C'est pas compliqué. Donc, si je mets V de ce côté-là, je mets U vectoriel OA. Et donc, en fait, je tourne toujours dans... Moi, j'ai une façon de revenir. Je tourne toujours dans ce sens-là. Donc, ça, U scalaire OA vectoriel V, qui est juste sur l'intégrale ici, c'est égal à V scalaire U vectoriel OA. D'accord ? Et donc, le moment cinétique par rapport à l'axe,
c'est ce que je viens de vous dire, c'est cette intégrale-là. Cette fois-ci, tout ce que je fais, c'est que j'ai la U OA vectoriel VA, je réécris la relation qui est là. Alors. Alors, VA, donc ici, donc je. Là, il y a une ligne qui. Oui. Il y a une ligne que j'ai. Qui n'a pas été réécrite ici. Donc, il manque une ligne. Je vais vous l'expliquer. Si vous ne le comprenez pas, je le réécris sur un morceau de papier ici devant. Donc, je pars avec ça. C'est un petit calcul vectoriel que je n'ai pas trop détaillé, je crois, et je me rends compte. Donc, voilà. Moment cinétique par rapport à un axe, c'est l'expression qui est. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trivé VA, son expression est là. D'accord. Et j'ai aussi une relation vectorielle qui est celle-là, suivant la relation qu'on a vue le premier. Donc, U scalaire OA vectoriel V, c'est ce que j'ai ici, est égal à V. En fait, V ici, c'est VA. VA scalaire U vectoriel OA. Donc, en fait, je remplace ça, ça par ce qui est là. Alors, je le fais ici, le renvoi avec le rappel que je change. Donc, je vous disais, donc U, ça, c'est ce qui est là. D'accord. Et donc, ce qui est là, c'est tout simplement, je peux l'écrire en fonction de cette relation-là, c'est VA. C'est ça qui manque. Il manque cette ligne-là, il faut que je la rajoute. Scalaire, d'accord. Ça, je l'écris ça. VA scalaire U vectoriel OA. En fait, j'écris ça égal à ça. D'accord. Or, VA, on a dit, c'est ça. VA, c'est ça qui manque dans ce slide-là. Égal à. Donc, si je remplace VA par son expression, donc j'ai oméga U vectoriel OA. Ça, c'est VA. Et ça, scalaire. U vectoriel OA. Scalaire, je mets un point ici, U. Alors, si vous ne comprenez pas, vous me dites, mais ce n'est pas compliqué tout ça. Donc, en fait, cette expression qui est là, je l'écris d'abord sous cette forme-là, VA scalaire ça, et je remplace VA par son expression. Donc, si je regarde bien ce qui me reste ici, c'est ce qui me manque sur ce slide-là, il me reste la vitesse angulaire oméga qui est là. Elle me reste U vectoriel OA qui est scalaire I vectoriel OA. Donc, en fait, c'est un carré qui est ici. Donc, ça, c'est le carré. C'est U vectoriel OA au carré de N. D'accord. C'est bon, ça? C'est clair? Lise, c'est bon? Oui. Ok, j'efface, donc c'est clair. Donc en fait, cette expression qui est là, en utilisant ces deux choses qu'on vient de faire, ces deux égalités qu'on vient de montrer ici, bah, c'est la même chose que ça. Bien, alors maintenant, ça, je considère que mon solide est en rotation avec une vitesse angulaire oméga. Donc je le sors de l'intégrale, il est là. Alors qu'est-ce qui me reste après? Il me reste U vectoriel OA au carré. D'accord, en fait, la norme, ça c'est la norme. Alors U, c'est le vecteur unitaire ici. Produit vectoriel, U vectoriel OA. La norme de ce vecteur est égale à la norme de U. La norme de U, c'est le vecteur unitaire, c'est 1. La norme de U, je l'écris comme ça, vous êtes tranquille. Qui multiplie la norme de OA.
onde OA, bah, c'est la distance qui est de là à là, en fait. C'est ça l'onde OA, c'est la distance. Qui multiplie le sinus de l'angle entre les deux. Le sinus, je l'appelle θ, on peut l'appeler alpha, peu importe, ou bêta, j'en sais rien, mais l'angle, θ. Alors, OA, sinus θ, c'est tout simplement R. Donc, en fait, la norme de ce vecteur-là, c'est égal à petit r, qui est la distance entre A et l'axe. D'accord ? OA sinus θ, ben, c'est petit r qui est là. Et donc, l'intégrale qui est là, ça revient à l'intégrale de ça, c'est petit r, on a dit, de r carré dm. Et on a défini tout à l'heure que l'intégrale de r carré dm, c'est ce qu'on a appelé le moment d'inertie par rapport à l'axe delta. Le moment d'inertie par un axe, c'est égal à la distance par rapport à l'axe r carré dm. Vous voyez bien que le moment, lorsqu'il y a une rotation pure autour d'un axe, le moment cinétique par rapport à l'axe, moyennant ce petit calcul que je viens de vous faire ici, c'est ni plus que moins la vitesse angulaire qui multiplie le moment d'inertie. Et donc, ce petit calcul qu'on vient de faire là, vous n'avez pas à le faire en TD. Dorénavant, vous vous posez, lorsque j'ai une rotation sur un axe, que le moment cinétique par rapport à l'axe est égal à la vitesse angulaire, d'accord, oméga, qui multiplie par le moment d'inertie. D'où ça vient? Ben, ça vient de ce qu'on vient de faire ici. Cette petite démonstration, vous voyez qu'il n'est pas compliqué. Voilà ce qu'il faut retenir. Avec ce que je viens de vous dire là, ce que je viens de dire, il est mis là. Donc, voilà, ça, c'est petit r. Et donc, ce qui est là, c'est tout simplement l'intégrale de r carré dm, c'est la définition de ce qu'on a appelé le moment d'inertie. D'accord? C'est bon, c'est clair, je continue. Donc, qu'est-ce qu'on a, ce que nous avons montré? Lorsqu'on est en rotation pure, solide, on a le moment cinétique par rapport à un axe delta, c'est égal tout simplement à la vitesse angulaire de rotation qui multiplie le moment d'inertie par cet axe-là. Et le moment d'inertie, on l'a déjà défini, on a déjà fait des calculs pour un cylindre, pour un tige, pour un coquille, je ne sais rien d'autre, de cet expressionnaire qui est le moment d'inertie. Bien. Donc, j'ai rien fait, toujours les deux mêmes exemples, toujours c'est celui-là. Donc, voilà, j'ai réécrit ce qu'on vient de faire, j'ai rien fait d'autre. J'ai réécrit la même chose. Alors, le théorème du moment cinétique, tel qu'on l'a vu et qu'on va l'utiliser, c'est qu'en fait, on sait que la dérivée, on l'a vu pour un ensemble de points matériels, donc pour un solide, c'est la même chose. Le théorème du moment cinétique, il dit la chose suivante. Alors, je peux le redémontrer, mais bon, c'est pas la peine, il n'y a rien de difficile, en fait. C'est exactement la même chose que ce qu'on a fait l'année dernière, sauf que le d sigma, je vais faire les intégrales, donc je l'utilise tel qu'il est. L'année dernière, si vous vous rappelez bien, on a démontré ce théorème. Donc, le théorème du moment cinétique, la dérivée du moment cinétique d'un point O, c'est égal à la somme du moment des forces extérieures. Et donc, on a beaucoup utilisé ce théorème l'année dernière. Et je crois même que c'était un sujet de Crock aussi. Donc, on va utiliser ce théorème-là cette année aussi. Et c'est le TD numéro 6 que vous allez faire. Bien, alors, le théorème du moment cinétique, donc, c'est le moment cinétique d'un point O, la somme du moment des forces extérieures par rapport au point. C'est ça le théorème. Alors, moi, ce que je veux, c'est plutôt par rapport à... Je veux utiliser cette relation-là. Moment cinétique par rapport à un axe. Donc, si je pars de ça, donc j'ai le moment cinétique par rapport à un axe, bah, c'est celui où on a un point scalaire U, c'est ce que j'ai déjà dit, et j'ai montré ça tout à l'heure. Ça on l'a, c'est à qui on l'a montré. Donc, je le reprends toujours ici, mais il n'y a rien de nouveau dans ce début de slide. Le théorème de mon cinétique, il est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par U de chaque côté. Scalaire U, les deux côtés. En fait, pourquoi je fais ça? C'est juste pour vous montrer que ce théorème, il est valable aussi lorsque on a le moment cinétique par rapport à un axe. Là, c'est par rapport à un point. Là, ce que je vais faire, c'est ces deux petites relations, c'est juste pour vous montrer que je peux faire la même chose par rapport à un axe. Voilà l'objectif de ce que je fais là. Donc, je fais pour les scalaires,
Je montre que ce produit scalaire-là, c'est tout simplement la même chose que le produit scalaire du produit. Pourquoi? Parce que la dérivée de U par rapport au temps égale à 0. D'accord, U, c'est un vecteur unitaire fixe, c'est sur l'axe delta. Et donc, la dérivée de sigma O fois U, c'est ce que j'appelle sigma delta. En fait, le moment cinétique par rapport à O scalaire U, c'est le moment cinétique par rapport à l'axe. Donc, ce que je montre en partant de là, c'est que la dérivée des moments cinétiques par rapport à l'axe est égale à la somme des moments de force par rapport au point O scalaire U. Et ça, c'est ce que j'appelle aussi les moments de force par rapport à un axe. Lorsque je mets le moment d'une force scalaire, le vecteur U de l'axe, j'appelle ça le moment d'une force par rapport à un axe. Parce que jusqu'à présent, on a vu le moment d'une force par rapport à un point O, donc ça, on avait le cours l'été. Pour que ce soit par rapport à un axe, pareil, je fais scalaire U. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que la dérivée du moment cinétique par rapport à un axe, le moment cinétique par rapport à un axe, on a dit, c'est ça, on a montré ensemble. Donc, le moment cinétique par rapport à un axe, lorsqu'on a un mouvement de rotation, c'est ça. La dérivée de ce moment cinétique est égale, tout simplement, à la somme du moment des forces extérieures. Donc, voilà le théorème que vous avez utilisé en TD. Et il fallait absolument que je vous montre ça. Donc, vous, quand vous allez arriver, vous allez faire ce genre de problème en TD, bah, vous partez directement de là. Tout ce que j'ai fait avant, c'est juste pour montrer comment on y arrive, comment on démontre tout ça. Vous, en TD, vous allez dire, bah, voilà, la dérivée du moment cinétique par rapport à delta est égale à l'ensemble des moments de force qui travaillent. Alors, le moment cinétique par rapport à delta, c'est oméga, la vitesse angulaire, fois le moment d'inertie. Donc, je dois calculer le moment d'inertie, si je ne l'ai pas, si on ne le donne pas. Je dérive ça et je calcule le moment d'effort et j'ai mon équation différentielle qui va me donner le mouvement de mon solide. Voilà comment vous allez faire en TD. Donc, la démarche générale, lorsqu'on a une rotation pure, moment cinétique par rapport à l'axe, c'est vitesse angulaire fois le moment d'inertie. Si je dérive ça, c'est la somme des moments d'effort par rapport à l'axe. Voilà le théorème du moment cinétique. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici. Donc, si je prends ça, je le dérive. Le moment d'inertie, lui, ça dépend de la répartition des masses, donc il est constant. Donc, si je dérive ça, je dérive la vitesse angulaire. Donc, je mets un point pour la dérivée. D'accord. Et on a dit que la vitesse angulaire, c'est égal à θ point. D'accord. Alors, θ point, je ne sais pas si ça tourne dans ce sens-là. Si je tourne comme ça, si je tourne autour de cet axe-là, je tourne comme ça, autour de l'axe. Donc, θ point, ça peut être un angle. Si je suis ce point-là, il va tourner θ comme ça, autour de l'axe. D'accord. Donc, la vitesse angulaire, c'est tout simplement la dérivée de θ point. On a déjà vu ça. Je vais appeler oméga, je vais appeler oméga comme ça. Vitesse angulaire, c'est θ point. Donc, la dérivée de oméga, c'est la dérivée de θ point. Donc, c'est θ de point. C'est la dérivée seconde θ. C'est ce que j'ai marqué. Donc, si j'applique le théorème de moment cinétique, la dérivée du moment cinétique par rapport à l'axe est égale à l'ensemble du moment de force. Alors, je l'écris soit comme ça, parce que la dérivée de oméga, c'est ça. Soit je considère que la vitesse angulaire, c'est θ point. Et dans ce cas-là, je peux l'écrire comme ça aussi. D'accord? Donc, pour vous, ce que je vous raconte, vous avez utilisé ce théorème-là, TD numéro 6. Alors, maintenant, je l'applique. Je l'applique et j'essaie de trouver le sens de qu'est-ce que c'est le moment d'inertie, ce que je vous ai dit il y a deux semaines. D'accord. Donc, voilà, la conclusion de l'affaire, c'est que le moment d'inertie, il faut la dérivée de la vitesse angulaire, est égale à la somme du moment du force extérieure par rapport à l'axe en question. Alors, prenons l'exemple de ça. Alors, voilà la patineuse qui tourne, vous avez fait des patinages aussi, je pense, autour d'un axe, ici. Alors, en pratique, on va appliquer ce théorème, on va appliquer à ce cas. Alors, l'axe delta, c'est ce que j'ai dessiné ici à peu près, approximatif, ce que j'ai fait, donc je tourne autour de cet axe-là. U, c'est le vecteur unitaire, je l'ai mis en vert ici. Alors, quelles sont les forces qui agissent? Parce qu'en fait, je vais appliquer le théorème cinétique, c'est que le moment d'inertie fois la dérivée de la vitesse angulaire est égale à la somme du moment des forces extérieures. Donc, je dois faire le bilan des forces extérieures. Bilan des forces extérieures.
Il y en a combien? Ah, il y a le poids. Donc, le poids, je l'ai mis ici en bleu. Je ne sais pas si vous voyez là. C'est du bleu sur bleu, donc ce n'est pas évident. Donc, il commence là. Je l'ai mis à partir de G, de centre d'inertie, centre de masse, par centre. Donc, c'est P, c'est ce qui est là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, il y a la réaction du sol. Je l'ai appelée RN. Alors, ici, j'ai négligé complètement la force de frottement. Sur la glace, je suppose que la composante tangentielle est nulle. Donc, le moment de P par rapport à un point de l'axe ici, bah, le moment du pas par l'axe, le moment d'une force par rapport à un axe qui est parallèle, produit vectoriel, le moment c'est un produit vectoriel, donc c'est nul. Le moment de Rn par rapport à l'axe delta, c'est nul aussi. Donc, en fait, la somme du moment égale à 0 dans ce cas-là. Pourquoi? Bah, parce que P et Rn, bah, ils sont sur l'axe delta de rotation, comme vous pouvez le voir ici. Donc le moment des forces égale à 0. C'est ce que j'écris ici. Le moment de force égale à 0. Pourquoi? Bah parce que P et Rn, ils passent par l'axe, tout simplement. Moment, il est nul. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit le moment théorème du moment cinétique? Il dit tout simplement que le moment d'inertie, fois la dérivée de la vitesse angulaire est égale à la somme du moment. Donc, je viens de montrer que la somme du moment égale à 0. Ça veut dire que le moment d'inertie fois la dérivée de la tension égale à 0. Donc, bon, c'est ce que j'ai écrit ici. Ce qui veut dire la chose suivante, je ne sais pas pourquoi, ça veut dire que si j'intègre ça, c'est une constante. Donc, ça veut dire que le moment d'inertie qui multiplie la vitesse angulaire, qu'on écrit comme ça, égale à une constante. Voilà ce que ça veut dire, le théorème du moment cinétique. Ça veut dire qu'entre patineuse, si je calcule son moment d'inertie et que je multiplie par sa vitesse angulaire, je dois toujours trouver une constante. Voilà ce que vous dit le théorème du moment cinétique. D'accord? Alors allons-y. Donc lorsque les braises sont tendues, d'accord? Alors le moment d'inertie de la patineuse globalement. Donc le moment d'inertie de la patineuse, bah, il y a la tête et le corps, bien sûr. Mais ça ne change pas. Le moment d'inertie de cette masse-là, bah, c'est toujours la même répartition. Par contre, ce qui change, c'est les bras. Une fois, ils sont tendus comme ça. Et la deuxième position, c'est que lorsqu'ils sont, ils sont ramenés comme ici. Alors, c'est l'expression de tout à l'heure. Dans cette situation 1, j'appelle le moment d'inertie I1. I1 par rapport à delta. Alors, delta, c'est toujours le même, c'est l'axe qui est là. Donc, en fait, c'est le moment d'inertie, c'est la répartition du masse du corps, mais ça, on a dit, ça ne change pas. C'est égal à I corps, par exemple, plus la tige. D'accord, la répartition du masse sur la tige, l'intégrale de R carré dm sur toute la tige. Alors, supposons que les bras ils font une longueur L. OK. Donc, on voit bien que ici, j'ai un plus, un I bras. Alors, la situation numéro 2, c'est celle que vous voyez sur l'écran. Donc, en fait, le corps, ça ne change pas. La répartition du masse est la même. Par contre, ici, la longueur du bras, bah, il est ramené au moins, je l'ai au moins divisé par, je sais pas si je regarde bien, au moins par 4. Donc la tige, le moment d'inertie de la tige, des bras cette fois-ci, c'est, là je l'ai appelé I bras, c'est le I d'avant, divisé par 4, divisé par 16. Vous avez réduit le moment d'inertie dans la situation numéro 2 par rapport à delta. Donc, si vous réduisez c'est le moment d'inertie de la situation-là, il est inférieur à la situation d'avant, bras tendu. Or, on a dit que le moment d'inertie fois la vitesse angulaire doit rester, il est constant pour des raisons théorème du moment cinétique, ce qu'on a fait ici. Donc, moment d'inertie fois vitesse angulaire constante. Donc, si je réduis mon moment d'inertie I2 parce que j'ai réduit la distance entre l'axe et la masse du bras. J'ai réduit le moment d'inertie des bras, de la tige, tout à l'heure, je vous ai parlé de la tige. Donc en fait, si je baisse ça, I2, là, il baisse, ça veut dire que pour que ce soit constant, il faut que j'augmente. Et donc, si j'ai la répartition de masse exacte, je peux même, et je regarde exactement de combien
combien j'ai raccourci les bras, je mesure de manière précise les choses, ben, je peux très bien dire de combien ça va augmenter la vitesse angulaire. Ok, alors est-ce qu'il y a une question? Alors pourquoi c'est 16? Alors c'est 16, je dis, c'est un exemple 16. Hein. Tout à ce matin, je l'ai dit, mais je vais le redire. Hein. Pas de souci. Pourquoi c'est 16? Alors, comme ce matin, c'était ça peut-être. Alors, vous voyez, à un moment donné, si on a fait ces calculs-là, ça. Si on les a faits, c'est pour ça un intérêt. Donc, vous voyez votre patineuse, les bras, je les représente par une tige. Donc, elle, les deux bras, quand elle est comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Après, quand il ramasse ça, en fait, c'est la même tige, c'est la même masse, les bras, sauf que je réduis la longueur de la tige. Je fais ça. Donc, si supposons que je réduis d'un facteur 4, en ramenant mes bras vers le corps. Donc, ici, j'ai un moment d'inertie qui va aller avant L carré. Si je réduis par 4, c'est L divisé par 4 au carré. Donc, j'ai réduit par 16. J'ai réduit le moment d'inertie par 16. C'est un exemple. Mais si j'ai réduit par 2, si je, au lieu de faire ça, je fais juste comme ça, je ne réduis pas complètement, bah, la vitesse va augmenter moins vite. Sera moins importante, la vitesse angulaire. Donc, le 16, c'est juste un exemple. Hein. Ça dépend de combien vous avez les bras tendus comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous allez ramener vos bras à votre corps, est-ce que vous les ramenez complètement ou, plus vous les ramenez sur l'axe delta, plus vous gagnez. D'accord? En vitesse. C'est pour ça qu'il faut vraiment les ramener sur votre corps, sur l'axe delta. Je ne sais pas si je suis clair dans l'explication. Qu'est-ce qu'il dit là, la personne qui a posé la question. Ok, donc c'est bon. Je crois que c'est clair. Alors, allons-y. Donc voilà le théorème de moment cinétique. Et une des conséquences, ben, c'est celle-là, ce que vous voyez ici. Donc voilà pourquoi c'est le théorème du moment cinétique qui vous explique. Pourquoi votre vitesse angulaire, votre vitesse de rotation augmente lorsque vous rapprochez vos bras de votre corps, lorsqu'on fait du patinage. Et donc, si vous calculez votre I, vous allez savoir exactement, parce que le produit doit être constant. Donc, si celui-là il baisse d'une quantité, celui-là il augmente de la même. Vous voyez, donc vous pouvez augmenter beaucoup. Plus vous rapprochez vos bras de votre corps, plus la vitesse angulaire augmente, plus vous tournez vite. D'accord ? Est-ce qu'il y a des questions pour ça, pour cet exemple-là? Non. Bien, donc en fait, théorème du moment cinétique, vous allez l'utiliser comme ça, pour les rotations. Tout ce qu'on a fait avant, c'est la démonstration, c'est comment on est arrivé à cette relation-là, mais vous, dans TD, vous allez partir directement de ça. D'accord? Je répète encore. L'exemple, c'est ça. Vous trouvez des exercices dans des livres où ils traitent ce genre de choses. Ça, c'est un exemple qui montre exactement de combien vous allez augmenter votre vitesse de rotation pour un axe si vous changez votre moment d'inertie. Donc, tout ça peut se calculer et on peut exactement estimer l'augmentation de la vitesse angulaire. Bien. Voilà, donc l'exemple étant fait. Alors maintenant, voilà, le TD numéro 6, c'est fait pour moi. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire le TD numéro 6. Alors maintenant, je continue maintenant à définir, je reviens au torseur parce que là, c'est un exemple. Donc, je reviens maintenant au plan de mon cours. Donc, je suis chapitre 6. Quantité de moment et moment cinétique. Donc, théorème des moments cinétiques qu'on vient de voir et son application. Et il y a un exemple pratique du théorème, le cas de la patineuse. Maintenant, j'ai le point 2. On va définir ce que c'est qu'un torseur cinétique. Alors, on a déjà défini ici. Le torseur cinématique, donc la résultante, c'est la vecteur rotation, et le moment, c'est la vitesse. Donc là, maintenant, on va définir le torseur cinétique et les autres torseurs qui vont suivre après, et leurs applications aussi. Chaque fois, je vais essayer de prendre un exemple. Donc voilà, pour le premier point, il est fini avec un exemple. Maintenant, on va commencer le deuxième point. Torseur cinétique. Alors, tout en torsion cinétique, d'abord, on va définir, encore une fois, la même chose, ce qu'on appelle le moment cinétique ou d'un point. Alors, la seule chose, c'est que je change les points et il faut faire attention, je n'ai pas fait attention à ça. Donc là, par exemple, je calcule en un point A. Bon, j'aurais dû garder le O, mais bon. Pourquoi je fais A? C'est pour faire Babar, en fait, la relation Babar.
Donc, le moment cinétique, on est en point A, bah, c'est tout simplement sur l'intégrale sur tout le solide. Je reprends la même relation qui était là. Donc, si je remplace juste O par A, en fait, c'est la même chose, c'est la même relation, c'est la même définition, je n'ai rien changé. Du moment cinétique, on est en point. Alors, cette fois-ci, je le prends A. D'accord ? A, donc c'est l'intégrale sur le solide de AM vectoriel à vitesse D de M au point M. Alors ça, je vous dis tout de suite, l'objectif de ça, c'est la relation finale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour qu'un champ de vecteur soit un torseur, il faut vérifier la relation de la règle de transport et les coûts de projectivité. Donc là, on va montrer la règle de transport. Bien, donc sigma de A, j'applique la définition toute simple, qui est là. Et je fais la même chose pour B. Donc, par rapport au point B, bah, je remplace A par B. C'est sigma par rapport au point B, c'est Bn vectoriel Vn de M. Et je fais la différence, sigma de A moins sigma de B. Donc l'intégrale qui est là, moins une deuxième intégrale en changeant le B qui est ici. Donc Am moins Bm, je vois que c'est la même intégrale. Donc en fait, j'intègre, je fais l'intégrale en facteur. De AM moins BM, moins BM, c'est plus MB. Donc AM plus MB, vectoriel V de M, D de M. L'intégrale sur tout solide, vous voyez, c'est des maths simples. AM plus MB, bah, relation de Schall, c'est AB. D'accord. Et AB, lui, c'est un vecteur constant, donc je peux sortir de l'intégrale. Donc c'est sigma de A moins sigma de B est égal à AB, si je sors de l'intégrale. Vectoriel, qu'est-ce qu'il me reste? Bah, il me reste V de M, D de M. L'intégrale sur tout le solide de V de M, D de M, ben c'est tout simplement ce qu'on appelle la quantité de mouvement du solide. C'est la définition qu'on a déjà donnée, quelque part, elle est ici. D'accord. C'est la quantité de mouvement du système matériel continu, ça veut dire du solide, en fait, en clair. Parce que le solide est un système matériel continu. Donc, la quantité de mouvement du solide, c'est ça. Et donc, si je calcule sigma de A moins sigma de B, ce que j'ai fait ici, ben, je trouve que c'est égal à AB vectoriel P. P, c'est la quantité de mouvement du solide. Et donc, j'ai sigma, moment cinétique en A égale moment cinétique en B, plus AB vectoriel P. Donc, vous voyez, ça, c'est la résultante, la règle de transport pour un torseur dont le moment, c'est le moment cinétique, et dont la résultante, c'est la quantité de mouvement du torseur. Dans la résultante du torseur, c'est la quantité de mouvement du solide. Et donc, la définition, c'est que sigma A, bah, c'est le moment cinétique. La résultante, c'est la quantité de mouvement. Et l'ensemble qui est formé par le moment cinétique et la résultante qui est le moment, c'est ce qu'on appelle le torseur cinétique. D'accord. Le torseur cinétique, la résultante, c'est la quantité de mouvement du solide. Et le moment, c'est le moment cinétique du solide, défini comme on vient de le faire ensemble. Donc, le torseur cinétique, on a un point que j'appelle A, B, C, je n'en sais rien. Je le note C comme cinétique, un point A avec les crochets qu'on a l'habitude de faire. Dans la résultante de ce torseur, bah, c'est P, qui est la quantité de mouvement total du solide, ce que je viens de dire. Et dans le moment cinétique, c'est le moment du torseur. Et nous avons la relation Babar qui est vérifiée. D'accord. Alors maintenant, c'est exactement ça, il n'y a rien d'autre. Ce qu'on va faire, ce qu'on a déjà fait pour les poids matériels, on va le faire pour le solide. Ça veut dire cette quantité de mouvement, est-ce qu'il y a moyen d'écrire de manière la plus simple? Est-ce que je suis toujours obligé de faire l'intégrale sur tout le solide? Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, la quantité de mouvement total du solide, c'est l'intégrale sur tout le solide de la vitesse d de m fois m. La vitesse, c'est la dérivée de m par rapport au temps. Et donc, la masse est constante, donc c'est la dérivée de l'ensemble, om d de m. Je sors la dérivée de l'intégrale. Et OM d de M, l'intégrale de OM d de M, c'est tout simplement la masse totale fois OG, G étant le centre de masse. Donc M fois OG, la définition du centre de masse, c'est égal à l'intégrale sur tout le solide de OM dm. Donc, cette intégrale qui est là, c'est égal à la dérivée de M fois OG, et M fois OG, la masse étant constante encore, donc c'est égal à m fois la dérivée de OG par rapport au temps. La dérivée de OG par rapport au temps, c'est la vitesse de G. G étant le centre d'inertie, le centre de masse, le barycentre. Donc dorénavant, vous n'aurez pas à faire toute cette intégrale-là. Ce qu'il faut avoir, c'est surtout la vitesse du centre de masse, le centre d'inertie ou du barycentre, et la résultante
de votre vecteur sensibilité, qui est la quantité de mouvement du solide, c'est ni plus ni moins que la masse totale fois la vitesse de votre centre de masse. D'accord ? Donc, dorénavant, ce que vous allez faire, vous, c'est ça. La quantité de mouvement total est égale à la masse totale fois la vitesse du centre de masse ou du barycentre. Donc, voilà. Comment on a fait ça ? En deux lignes. D'accord ? Donc, le torseur cénétique, j'ai le centre d'inertie, le centre de masse, le barycentre, c'est la même chose. Donc, le torseur cénétique, on l'écrit, et on l'a écrit comme ça, l'écriture qui est là, c'est la même chose, sauf que je remplace cette P par la masse fois la vitesse du centre d'inertie. Le centre de masse. D'accord ? Donc, voilà le centre de torseur cénétique. Alors, le torseur cénétique, une fois qu'on a fait ça, ce que je vais faire, c'est ce qu'on a déjà fait le deuxième cours, pour les points matériels, je vais utiliser ce qu'on avait. Je vais faire ce qu'on a déjà fait, en fait. On l'a fait pour un ensemble de points matériels, et cette fois-ci, je vais l'étendre au solide. Là encore, pareil, il y a des petits calculs, pas compliqués du tout. La seule chose, c'est qu'en fait, ce qu'on a déjà fait avec des sigmas, là, je le fais avec des intégrales, tout simplement. Et pour faire ça, on va démontrer ce qu'on a déjà fait pour les points matériels, le théorème de Koenig qui est relatif au moment cinétique. En fait, il y a deux théorèmes. Il y a le théorème de Koenig relatif au moment cinétique et le théorème de Koenig relatif à l'énergie cinétique. Et donc, maintenant que nous avons défini le torseur cinétique, donc on va pouvoir écrire le théorème qui est en lien avec le moment cinétique du solide, d'accord, qui est la même chose qu'on a déjà montré pour les points matériels. Là encore, je me répète, la seule chose qui change, c'est que là, je vais avoir des intégrales au lieu des sigmas sur I. Voilà, c'est tout. Alors, le théorème de Koenig, il est toujours, le deuxième cours, le troisième, je ne sais plus, utilisé en utilisant un référentiel fixe, et le référentiel barycentrique. Quand je note RB comme barycentrique, et dans mon schéma ici, c'est le R'. D'accord ? Alors, le référentiel barycentrique, on en a parlé au moins 10 fois. Donc, c'est un référentiel qui est en un point qui est lié au solide, mais les vecteurs doivent rester parallèles au repère fixe R. Vous voyez, K' pareil à K, G' pareil à G, et I' pareil à I. Donc, référentiel barycentrique. Donc, le théorème de Koenig, il est surtout dans ce cas-là. On a un référentiel fixe, R, ou R0, et un référentiel barycentrique R' ou RB. D'accord ? Je reprends toujours la même illustration ici, qu'on a déjà vue plusieurs fois. Et donc là, encore pareil, je vais calculer le moment cinétique en un point G, d'accord, par rapport, mais cette fois-ci, dans le repère R0. Donc, j'écris la définition du moment cinétique, il est où ? En un point, c'est AM vectoriel VM des deux M. Donc, j'écris tout. G, donc c'est GM. Alors, GM, il faut que je l'exprime dans R0 parce que je calcule dans R0. Et VM, pareil, la vitesse de M, c'est la vitesse du point M dans R0, dans ce repère-là, bleu que vous voyez ici. Pourquoi ? Donc, je calcule le sigma du... on a un point G, mais dans le repère R0, donc la vitesse du point M, ce point qui est ici, avec une masse, avec un retour d'un volume D2V, donc une masse DM, ce point-là, je considère sa vitesse dans le repère bleu, ici R0. D'accord, R0, c'est le bleu. J'applique la définition du moment cinétique, la seule chose, c'est que R0 ici. Alors, qu'est-ce que je fais ? J'utilise ce qu'on a déjà montré, la loi de composition des vitesses. Lorsqu'on a un repère fixe et un repère barycentrique, on a dit que la vitesse du point M dans R0, c'est égal à la vitesse du point G dans R0, plus la vitesse du point M dans le référentiel barycentrique. Cette vitesse-là est égale à la somme de deux vitesses, d'abord le point G du repère barycentrique, plus la vitesse du point M par rapport à G. D'accord. Donc ça, on l'a déjà montré, on l'a utilisé plusieurs fois dans les calculs. Donc, c'est un petit calcul encore. Là encore pareil, ce que je vous dis ici, c'est que chaque fois qu'on a des petits calculs à faire, je les fais pour arriver à une relation finale qu'on va utiliser après dans le TD, mais pour le moment,
je fais ces petites démonstrations qui ne sont pas compliquées pour vous montrer d'où viennent les théorèmes, quand on peut le faire. Plutôt que d'annoncer un théorème en disant c'est ça, appliquez-le, admettez-le, quand les calculs ne sont pas compliqués, ne sont pas lents, bah, je fais la petite relation qui va avec pour démontrer le théorème. Donc ça, cette relation-là, c'est déjà utilisé lorsqu'on avait le deuxième cours pour matériel. Vous voyez, là, je fais la même chose, sauf avec des intégrales. Alors, je fais la même chose, bah, g1 vectoriel en une somme, c'est g1 vectoriel ça plus g1 vectoriel ceci. D'accord. D'accord, je ne vois pas ce que j'ai fait là. Cette ligne-là, je crois que c'est la même chose que celle qui est en dessous. D'accord, je l'ai répété deux fois, pour quelle raison, je ne sais rien. Donc là, c'est la même chose que ça. Vous voyez, c'est exactement la même. Et donc, je développe ça. Donc, c'est g de m vectoriel v de g de r0 plus g de m vectoriel v de m dans rb. Donc, en fait, vectoriel, je répartis vectoriel ça plus ça vectoriel ça. C'est ce qui est écrit ici. Or, on a déjà montré que l'intégrale de g de m d de m vectoriel v g de m est un vecteur nul. Pourquoi? Parce qu'en fait, vg de r0, ben, ça, je peux sortir de l'intégrale, c'est la vitesse de g par rapport à r0. Et l'intégrale de gm dm égale à 0 avec vecteur nul. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la définition du centre de masse, cette relation. Cette intégrale-là avec vecteur nul, c'est ce qui définit le centre de masse. D'accord? L'intégrale de gm dm égale à 0, parce que g est centre de masse. Vecteur g est centre de masse au centre d'inertie. Donc, c'est la définition même du centre de masse. Ça égale à 0. Donc, ce qui me reste, c'est que sigma de g égale à 0, g ça égale à 0, il me reste que ce terme-là. Pardon, celui-là est nul, c'est celui-là qui est nul, il ne me reste que ça. Et ça, c'est tout simplement la définition, c'est le moment cinétique par rapport à G, mais considérant les vitesses dans le référentiel barycentrique, donc c'est le moment cinétique dans le référentiel barycentrique, RB. C'est le moment cinétique de G, mais dans le référentiel barycentrique. D'accord. C'est notre sigma de G avec des vitesses dans le référentiel barycentrique, donc c'est le moment cinétique de le référentiel barycentrique. D'accord. Tout ça pour vous dire ce qu'on a montré ici, c'est que lorsque vous prenez le centre de masse, vous calculez le moment cinétique dans R0, vous le calculez dans RB, c'est la même chose. Donc l'égalité, sigma de G en un point G, vous le calculez dans un repère fixe, dans le repère barycentrique, c'est la même chose. D'accord. Le moment cinétique, que vous le fassiez dans, je répète encore, dans ce repère barycentrique ou dans nos repères dans le repère fixe, c'est la même chose. Et en général, dans la pratique, il est plus simple de le faire dans le barycentrique que dans celui-là qui est fixe. Donc, en fait, là, de manière générale, on montre que c'est la même chose. On peut se fatiguer et se compliquer la tâche à le faire dans le repère fixe, et c'est plus compliqué de manière intégrale parce qu'il faut... parce qu'en fait, c'est plus difficile à faire. Alors que dans le repère barycentrique, quand on fait les calculs, on trouve que c'est plus facile, donc on choisit. Et puisque, de manière générale, vous voyez les quatre lignes qu'on a fait ici, on montre que c'est la même chose. Le moment cinétique, on a un point G, c'est la même chose que vous le fassiez dans un repère fixe ou le repère barycentrique, donc à vous de faire de choisir la solution la plus simple. Le résultat final est le même. D'accord. Alors, quelle est la conséquence de ça? Bon, on n'est pas encore au théorème. Le théorème de Koenig, il dit la chose suivante. Il dit que Babar, d'abord. Babar, c'est le moment cinétique en un point A égale le moment cinétique en un point G. Vous voyez ici, c'est des R0. Il n'y a que des R0 ici. Le moment cinétique en un point A dans la référence est R0. C'est égal au moment cinétique en un point G dans R0. Là, c'est Babar, il n'y a rien de nouveau. AG, vectoriel, la quantité du moment total dans R0. Alors là où intervient ce qu'on vient de faire, c'est que le moment cinétique de G dont le repère R0, calcul de R0, c'est la même chose que G dans RB. Et c'est ça le théorème de Koenig. Le théorème, il vous dit, c'est que le moment cinétique en un point A dans R0, c'est égal au moment cinétique de G dans RB, le référentiel barycentrique, plus AG vectoriel P dans R0. P, en fait, dans R0, dans R, c'est la même chose parce que ça, c'est des vecteurs, qui la somme de vecteurs, et là, ça ne va pas changer. Alors, quel est l'intérêt de ça, de ce théorème de Koenig? C'est qu'en fait, vous n'aurez pas à calculer le moment cinétique de G dans R0, vous le calculez dans RB, et vous utilisez le produit vectoriel pour trouver le moment cinétique ou n'importe quel point de l'espace. C'est ça le théorème du moment cinétique.
D'accord. Et aussi, quand on aura affaire au moment cinétique, on G, on va calculer de manière la plus simple. Et la plus simple, en général, vous allez voir dans des problèmes pratiques, on va en faire aussi ensemble. Il est plus simple de calculer dans le référentiel paracentrique que dans un référentiel fixe. Bien, il y a trois qui sont déconnectés. Alors qu'on n'est pas encore à 45, je crois. Si j'ai bien compris. Donc, le théorème du moment cinétique, donc c'est celui-là qu'on va utiliser par la suite, en TD. Et même si on ne l'utilise pas cette année, vous allez l'utiliser l'année prochaine. Et la démonstration est là. J'espère que je suis clair dans les explications. Bien. Alors, donc, théorème des moments cinétiques, théorème de Kooning relativement cinétique, c'est ce que je viens de faire. Alors, l'énergie cinétique, c'est la même démarche, c'est des calculs. Alors là, encore pareil, c'est des calculs faciles, mais il faut juste suivre les calculs. On va aboutir au théorème que vous voyez ici. Là, je ne vais pas le faire aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. Et après, normalement, j'avais prévu un exemple, je pense, oui. C'est l'exemple, c'est un. Voilà, l'exemple est là. Donc voilà, pour aujourd'hui, je pense que je vais m'arrêter là parce que je vois qu'il commence à se déconnecter. Donc essayez de réviser jusque-là tout ce qu'on a fait. Ce qui est important, pour moi, il fallait absolument que je vous montre en détail le théorème du moment cinétique. Et parce que c'est le TD, le tension cinétique est défini et le théorème de Kooning relatif au moment cinétique, parce que ça, c'est le TD6, tout ça. TD6. Après le TD7, on va aborder ces choses-là et d'autres choses comme ça. D'accord. Bien, vous avez des questions sur le cours d'aujourd'hui? Non, si vous n'avez pas de questions, bonne journée. Et donc, il y a mercredi prochain. Bonne journée et à mercredi. Au revoir.